Salut les amis et bienvenue sur le Riz Jaune. Aujourd'hui, on remet le cap sur la Chine avec une recette de poulet, des ailes pour être plus précis, que l'on va braiser aux deux sauces de soja. Noir pour le parfum et la couleur, et clair pour le côté salé. Il nous faudra pour cela des ailes de poulet, une branche de cébette ou d'oignon botte, de l'ail, du gingembre, de la sauce de soja noire, de la sauce de soja, du poivre, du vin de cuisine de Shaoxing et du sucre. Pour les quantités, vous le savez, reportez-vous à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence par tailler 4 tranches de gingembre que l'on réserve. Écraser et éplucher tout simplement les gousses d'ail. Tailler en tronçons de 6 cm la cébette. Redécouper la partie bulbe. Et émincer une petite partie la plus verte pour la garniture. Retirer ensuite l'extrémité de l'aile. Séparer ensuite la médiane du manchon. On les entaille. Y verser la sauce de soja noire, la sauce de soja, le vin Shaoxing, le poivre, bien mélanger, couvrir d'un film plastique et on laisse mariner au minimum une petite heure. Après cette heure, on pourra mettre l'huile dans une sauteuse à feu moyen, mettre les ailes de poulet à dorer, 2 à 3 minutes de chaque côté. Y ajouter le reste de la marinade, l'eau à hauteur, les tronçons de cébette, les rondelles de gingembre, les gousses d'ail et le sucre. Portez à ébullition, couvrez et on laisse cuire 25 minutes. On retire le couvercle après ces 25 minutes, augmentez le feu et laissez réduire au moins de 2 tiers le jus. Remuez de temps en temps pour s'assurer que cela ne colle pas. Et on pourra ensuite dresser. Napper de la réduction. On n'oublie pas la cébette ciselée. Et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, vous le savez, reportez-vous à la description. Nous, en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit.